Il semble désormais acquis que si nous arrêtons de manger, notre mort pourrait être une conséquence rapide. Cette vérité est sans exception, et nous sommes nombreux à ne pas pouvoir jeûner plus d'une journée sans être appelés à l'ordre par les tiraillements de notre faim. Ce besoin incontournable, que notre corps sait si bien nous rappeler, est pourtant un formidable moteur qui, depuis l'aube de l'humanité, nous pousse à transformer notre environnement pour assurer notre survie. Se nourrir est en effet l'une des plus anciennes préoccupations de l'humanité, et il n'est guère étonnant que les premières inventions humaines aient consisté à apprivoiser son alimentation. C'est pour se libérer de sa condition de chasseur-cueilleur que l'homme a mis au point l'agriculture et l'élevage, il y a plus de 10 000 ans, soit des millénaires avant des inventions aussi superficielles que l'écriture ou la roue. Quant au salaire, ils ont longtemps été versés en rations de nourriture, et les premières grèves sont apparues lorsque des ouvriers ne se virent plus verser leur lot de grains. On ne compte plus les révoltes et révolutions qui ont pu être causées par la faim, nous rappelant ainsi que l'appel du ventre peut nous pousser à remettre en question l'ordre social. Notre monde moderne est pourtant à l'abri du manque, car plus qu'une situation d'abondance, nous connaissons désormais les affres de la surproduction. Afin d'alimenter une industrie agroalimentaire toujours plus importante, les sols sont poussés à leurs extrêmes limites, tandis que certaines espèces disparaissent pour avoir trop fréquenté nos assiettes. Pour satisfaire une demande toujours croissante, l'homme parvient à se vendre à lui-même des aliments que bien des animaux refuseraient de manger. Il réussit également à produire trop, tout en gaspillant outrancièrement. Ainsi, c'est entre un quart et plus de la moitié de la production alimentaire mondiale qui est jetée avant d'avoir atteint l'assiette de quiconque. Bien sûr, il m'est impossible de téléporter mes restes de betteraves aux enfants du tiers-monde. Mais cela ne doit cependant pas nous pousser à nier que notre système alimentaire détruit une quantité impressionnante de nourriture et laisse une part non négligeable de la population mondiale mourir de faim. L'homme moderne est en effet arrivé à un stade où la nourriture devient un produit de consommation, au même titre que les gadgets technologiques, les vêtements ou la dernière émission de télé-réalité. En tant que telle, la nourriture est l'objet d'un matraquage publicitaire constant, et dans la mesure où il s'agit de l'un des rares produits littéralement vitaux, le matraquage n'en est que plus important. C'est ainsi que lorsque les gouvernements émettent le désir de lutter contre l'obésité chez les enfants, en supprimant ces publicités des chaînes destinées à la jeunesse, hommes de télévision et industriels de l'agroalimentaire s'élèvent contre ce qui représenterait, pour eux, une perte immense. On ne s'étonnera alors plus que Ronald McDonald soit, dans les maternelles américaines, l'une des personnalités que reconnaissent le plus facilement les enfants. Il est cependant rare que les publicités qui nous vantent le brillant des bonbons nous indiquent qu'il est dû à de l'huile de glande anale de castor, et les producteurs de viande de bœuf préféreront rire de la similitude du nom de leur marque avec celui d'un humoriste plutôt que de vous conter le séjour, bref mais intense, qu'a fait Marguerite à l'abattoir avant de rejoindre votre grill. La consommation nous pousse souvent aussi à la solitude, et en bien des lieux, les repas en communauté se raréfient au profit d'un remplissage express de notre tube digestif. Il est d'ailleurs possible que vous soyez en ce moment entouré des résidus de repas pris sur le pouce devant l'ordinateur. Fort heureusement, notre merveilleuse capacité à faire abstraction de ce qui nous dérange nous permet de nous émouvoir devant l'évasion des poulets de Chicken Run tout en dégustant de délicieux nuggets. Malheureusement, les enjeux vont beaucoup plus loin que le sort de malheureux poussins broyés. La question de la pérennité de ce mode d'alimentation se pose en effet, car si nous-mêmes survivons et tirons parfois à profit de ce système qui épuise de nombreuses ressources pourtant limitées, il est certain que les générations futures n'auront pas la même chance. Si la terre ne nous appartient pas et que nous l'empruntons à nos enfants, il n'est pas garanti que nous la leur rendions en bon état. Les dégâts causés par notre mode de production de la nourriture sont d'ailleurs déjà bien connus et à l'origine de débats virulents. Ainsi, pour certains, les OGM sont une garantie d'abondance, tandis que d'autres y voient une expérience digne de la créature de Frankenstein, susceptible de se retourner contre son créateur. Quant aux pesticides, longtemps vus comme la bénédiction de l'agriculteur,
ils sont désormais de plus en plus soupçonnés d'être à l'origine de maux allant du cancer à la maladie de Parkinson. Outre ceux qui touchent à notre propre personne, les effets sur la nature sont parfois d'une ampleur difficile à appréhender. Une campagne a ainsi récemment tenté de sensibiliser contre les ravages du chalutage en eau profonde, qui détruit d'immenses bandes d'écosystèmes sous-marins pour une pêche dérisoire qui n'est même pas rentable. Par ailleurs, quand elle n'est pas polluée directement dans les nappes phréatiques par les exploitations agricoles, l'eau potable est souvent allègrement dépensée pour alimenter des cultures dont une grande partie est vouée, nous l'avons vu, à l'inutilité. Si nous nous offrons encore le luxe d'en avoir dans nos toilettes, l'eau potable est pourtant une denrée limitée et vitale. Nous vivons depuis le XXe siècle au rythme de guerre pour le contrôle de l'or noir qui alimente nos véhicules. La fin du XXIe siècle verra, sans aucun doute, des affrontements pour celui de l'or bleu, carburant vital de nos propres corps. La liste des dérives écologiques de notre alimentation est encore longue. Qui pense au gaz à effet de serre émis lorsqu'il achète une tomate en hiver? Dans un monde où tout est à portée, nous nous soucions encore trop rarement de qui transporte ce tout tant qu'il reste à disposition. Notre confort et notre sécurité alimentaire ont des effets qui ne se limitent pas au domaine environnemental et agissent constamment sur la condition de nombre de nos semblables. Les produits que nous consommons peuvent parfois venir de fort loin et ceux à qui nous prenons cette nourriture sont souvent récompensés par l'exportation d'armes et de violences. Il n'est pas nouveau que ceux qui travaillent à la production d'un bien sont rarement ceux qui en profitent, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la nourriture. Nombreux sont les agriculteurs qui, une fois leur production partie à l'autre bout du monde, souffrent de la faim, et nombreux sont ceux que cette même faim pousse à travailler contre des salaires bien moindres que dans nos pays aux standards de vie plus élevés. Nous-mêmes ne sommes pas épargnés par ces questions d'éthique, et nous gagnerions certainement à réfléchir plus régulièrement à ce qui se trouve dans notre assiette, en allant au-delà des listes d'ingrédients souvent sibyllines quand elles ne sont pas mensongères. L'affaire des lasagnes à la viande de cheval n'a ainsi pas manqué de surprendre et de choquer. Pourtant, force est d'avouer que si la marque n'avait pas signalé cette erreur, bien malin aurait été celui qui aurait pu remarquer qu'il ne mangeait pas du bœuf. Dans nos assiettes modernes, les goûts se rapprochent et deviennent fades, malgré des contenus toujours plus repoussants. Le goût n'est, après tout, que la perception que notre cerveau veut bien se créer d'un aliment, et le marketing alimentaire a bien su saisir cette subtilité. Sur le paquet, ces knackis ont l'air aussi délicieuses que saines. Mais si vous en mangez, je vous déconseille fortement d'aller voir comment ces restes de viande sont séparés mécaniquement. Ces vérités choquantes, vous les aviez probablement déjà en tête. C'est une chose de soupçonner que ce que l'on mange n'est pas aussi sain qu'il n'y paraît. C'en est une autre de modifier en conséquence des habitudes si bien ancrées. Car nos comportements alimentaires sont dictés par un train de vie souvent haletant, et nombreux sont les repas que nous sacrifions pour terminer un travail, arriver à temps à un rendez-vous, ou continuer à regarder des vidéos sur internet. Cela suffit à expliquer l'essor des fast-foods et autres sandwicheries, mais aussi de tendances beaucoup plus extrêmes comme le Soylent, une boisson capable de remplacer les apports nutritionnels d'un repas équilibré qui se voit elle-même comme l'héritière des pires craintes de la science-fiction des années 60. Comme bien d'autres, la composition de ce produit laissera de marbre le consommateur, incapable de bien saisir le jargon contenu dans la liste des ingrédients, pour peu que celle-ci ne lui mente pas ou ne fasse pas erreur. Nous sommes souvent contraints de supposer le contenu de ce que nous mangeons, plus que nous ne le savons réellement. L'opacité des chaînes de production ne facilite pas les choses, et il n'est pas rare qu'en cas de souci, les différents maillons se rejettent la responsabilité et soient dans l'ignorance des actions de l'autre. Surtout, même lorsque nous savons, nous pouvons nous demander si nous désirons réellement savoir. Après tout, tant que nous ignorons qu'elles contiennent du cheval, ces lasagnes au bœuf sont un régal et se préparent tellement vite. Alors oui, entre son boulot, son ménage et son cours de claquettes, on n'a pas trop envie de réfléchir à ce qui tombe dans notre caddie. Pourtant, faire ses courses, c'est en réalité choisir quelle portion de la nature on va mettre dans son corps. Rien que ça! Sur le chemin de la compréhension de soi,
appréhender son rapport à ce qui nous entoure est essentiel. Tôt ou tard, dans ce parcours intérieur à la découverte du monde, se pose la question de notre relation à l'animal. Jusqu'où pouvons-nous être insensibles à la souffrance animale dans une attitude qui n'est pas sans nous rapprocher de l'autruche? Il s'agit alors de comprendre s'il existe en nous une hiérarchie de la valeur de la vie. La vie d'un cochon est-elle plus dispensable que celle d'un chien? Le cheval est-il plus sensible que le bœuf? Les différences culturelles à travers le monde nous prouvent bien que ces conceptions sont arbitraires et définies par notre propre relation avec l'animal. Si les cochons rapportaient le bâton qu'on lance à la place des chiens, ce sont ces derniers qui finiraient en saucisse. Si les vaches remportaient les concours de sauts d'obstacles, les boucheries chevalines connaîtraient peut-être un véritable essor. Par sa volonté de se passer de toute exploitation animale, le véganisme nous rappelle que l'utilisation des bêtes dans l'industrie alimentaire entraîne, lorsqu'elle est massive, une souffrance inévitable. Nous ne pouvons et ne devons cependant pas sombrer dans une démarche de culpabilisation qui ne pourrait que nuire à cet important débat d'idées. Il est peu probable qu'un carnivore accepte sans sourciller de se voir accusé, même indirectement, du massacre de milliers d'animaux, et cette accusation ne pourrait que le braquer dans ses positions. Pour que la discussion puisse se dérouler dans les conditions idéales que nous avons déjà énoncées dans de précédents épisodes, il faut également rappeler que la question écologique dépasse les clivages politiques traditionnels. Il est ainsi possible d'être écologiste et de droite, comme le prouvent Nicolas Hulot ou Arnold Schwarzenegger. Au-delà du débat d'idées et des prises de position radicales, il est possible d'aborder notre alimentation d'une façon plus respectueuse du monde qui nous entoure, et donc de nous-mêmes. Paul McCartney a coutume de dire « si les abattoirs avaient des fenêtres, tout le monde serait végétarien ». Cet artiste diffuse, avant certains de ses concerts, des images choquantes d'animaux mutilés afin de sensibiliser son public à la cause animale. La prise de conscience de cette souffrance peut effectivement faire de nous des véganes, mais il est d'autres solutions accessibles à ceux qui voudraient s'alimenter avec respect pour la nature sans pouvoir se résoudre à se passer de leur ration de viande. C'est ainsi que le mouvement locavore préconise la consommation de nourriture produite près de chez soi afin d'éviter les longs transports de nourriture et les altérations qui en découlent. Consommer ce qui se fait localement peut également permettre de se tenir au courant des modes de production et ainsi, par exemple, d'avoir pleine connaissance des conditions de vie des animaux dont on déguste les produits ou des traitements reçus par les légumes destinés à notre assiette. Prévoir notre consommation en fonction de nos réels besoins et non des désirs artificiellement créés par la société est également une solution à notre portée pour éviter le gaspillage. Le glanage des invendus, dans les poubelles des supermarchés, mais aussi en fin de journée auprès de commerçants charitables, permet également de lutter, certes à petite échelle, contre les pertes dues à la surproduction. Enfin, une alimentation harmonieuse peut soigner certains de nos maux les plus légers, avec autant d'efficacité et moins d'effets indésirables que certains médicaments. Comme souvent, cependant, en matière d'alicaments, il faut être vigilant pour distinguer la frontière entre sagesse profonde et charlatanisme vénal. Une alimentation en accord avec notre éthique et adaptée au sort de notre planète peut ainsi se révéler bénéfique tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait finalement se demander si notre faim ne doit pas être accueillie avec bienveillance. Certes, il n'est pas agréable d'être interrompu par notre ventre alors que l'on fait quelque chose de plaisant, mais dans tous les cas, notre faim ne se privera pas de se signaler, même lorsque l'on ne lui en donne pas la permission. Se réapproprier sa faim est donc un moyen de cesser de nager contre un courant que l'on ne pourra de toute façon jamais remonter. Plus encore, plutôt qu'un simple impératif, la nourriture peut redevenir un plaisir, tant dans sa préparation, qui peut vite porter en elle une certaine magie, que dans sa présentation, qui peut aisément s'apparenter à de l'art.
En dépit d'une industrie devenue folle, d'un mode de consommation qui nous pousse à préférer l'ignorance, nous pouvons encore trouver autour de nous des solutions pour, à défaut de changer le monde, modifier nos propres habitudes. Pour cela, nous devons avant tout revenir à l'essentiel, afin de mieux nous comprendre, et de mieux comprendre cette activité primordiale qu'est notre alimentation. Durant des siècles, des penseurs ont consacré des ouvrages entiers à l'art de bien manger, et aujourd'hui encore, cet art s'est resté très présent dans les rayonnages des librairies, même si son application dans la vie de tous les jours est plus souvent l'exception que la règle. C'est en redonnant son importance originale à ce qui est un acte nécessaire à notre survie que nous pouvons apprendre à accepter à nouveau ce qu'on nous présente désormais comme une contrainte. En découvrant des moyens de nous nourrir plus respectueux de notre corps et de notre éthique, nous pouvons transformer cette contrainte en plaisir et en cela rendre notre faim parfaite. Loin d'être une contrainte, une alimentation saine et réfléchie peut ainsi devenir propice à des moments de paix et d'harmonie. Après tout, celui qui se concentre de tout son être sur un carré de chocolat n'a jamais besoin de finir la tablette pour être satisfait. En apprenant à nouveau à nous alimenter dans le respect de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous ouvrirons ensemble la voie à des moments de joie qui nous rappelleront que, à condition de les accepter, les nécessités de la vie peuvent toujours devenir ses plus belles lumières.